Donc, c'est-à-dire qu'il y a 25 pasteurs sorciers dans la communauté. Oui. Mais c'est dangereux déjà. Ils attrapent, ils viennent avec les Bibles, ils lisent la Bible, la parole de Dieu, ils sont sorciers. 25 pasteurs sorciers. C'est à toi de demander. Oui. Et les gens vont dans l'église. Et les pasteurs l'ont pris pour eux. Il leur, les pasteurs leur posent les mains. En prenant toutes les chances des fidèles. Pensant venir à l'église pour chercher Dieu. Oh, les pasteurs ont la main sur leur tête sans peine de manger leur chance. Alors, qu'est-ce que tu as? Je suis sorcière. Tu en as tué combien de personnes depuis que tu es sorcière? J'ai tué 353 personnes. Pardon? 353 personnes. 353 personnes. Alors, comment tu sais exactement le nombre? Comment tu essaies de savoir exactement le nombre des gens qui... Tu as une mémoire pour savoir exactement comment le nombre de gens? Le monde de la sorcellerie. J'ai un cahier là-bas pour écrire le nombre des personnes que je tue à chaque fois. Parce que si je connais, si je tue 100 personnes, dans le monde des grades. Donc, tu en as déjà tué 300, ça veut dire que tu as eu plus de 3 grades déjà. Tu as tué des gens. Et comment tu arrives à tuer des gens de tes victimes? Dans la famille, tu as tué combien? Dans la famille, c'est 3 personnes. La troisième personne, c'est qui? C'était l'enfant de ma tante. Lui, c'était son phone. Quand j'ai couché avec elle, ça a tué l'enfant. Et ça, même toi, tu arrives à coucher. Tu arrives à coucher avec une femme? Oui. Pourtant, tu as un sexe féminin? Oui. Alors, comment ça se passe? Ma main droite est pour taper sur mon côté 3 fois. Et je me transforme en un homme. Quel moment? Tu deviens un homme en quel moment? Quand je suis prête à coucher avec une femme, je m'arrête sur elle. La personne est là, elle m'arrête sur elle. Puis je tape mon côté 3 fois. Mon côté droit 3 fois et je deviens un homme. Il prend l'apparence d'un homme. Et c'est pourquoi? Quand tu deviens un homme et quand tu vas coucher avec une femme, c'est pour atteindre quoi? C'est pour faire quoi au juste? Il fait ça pour de toute sa vie. Pour de toute la vie. Donc quand tu as les rapports sexuels avec ta victime, qui est une femme, bien sûr, tu détruis sa vie. Qu'est-ce que tu détruis dans la vie de cette dame, cette personne? Détruit tout ce que la personne devait avoir demain. Si la personne devait voyager, je bloque son voyage quand je couche avec cette personne. Et je transmets des maladies dans ça aussi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais quand tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu as fait comme dégâts? J'ai détruit la vie de d'autres personnes. Et quand d'autres personnes sont là à prier, puis d'autres personnes ne parlent. Et ceux qui prient, il y a les anges qui les couvrent, donc pour s'approcher d'eux, c'est difficile. Mais pourquoi toi, tu es sorti, tu es dans l'église et puis on n'a pas su? Il y avait déjà deux sorciers là-bas. Hein? Je ne suis pas la seule. Il y a des sorciers là-bas? Oui. Dans l'église? Mais quel est le rapport? Il y a des sorciers. Mais comment toi, non pas tu, toi, ta sorcellerie? C'est la question. Moi, je ne sais pas. Sinon, ceux qui sont sorciers dans l'église. Justement, on veut savoir pourquoi les gens n'ont pas su ta sorcellerie. Papa. Parce que tu es sorcière. Non, laisse-moi finir avec elle d'avoir l'explication. Tu es sorcière et tu es dans une église. D'accord? Papa. Et tu vas dans cette église-là. C'est le pasteur qui vient, je pense qu'après un moment de prière, comme il nous a dit là, c'est là qu'ils ont, que Dieu leur a révélé des choses, c'est pas ça? Oui. Voilà. Voilà, en temps, il y a longtemps que tu fréquentes l'église, c'est pas ça? Alors, tout ce temps là, pourquoi les gens n'ont pas su, dans cette église que tu fréquentes là, pourquoi les gens n'ont pas vu cette sorcellerie? Tu caches la sorcellerie et tu rentres, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as fait au pasteur
vous priez tout ça. Les pasteurs eux-mêmes sont sorciers de l'église. Ils sont nombreux là-bas. Les pasteurs sorciers? Oui. Comment tu as su ça? Quand tu es sorcier, je sais. Oui, mais non, on veut que tu expliques. On n'a pas dit de dire le nom de quelqu'un, non. On ne veut pas. Mais comment tu sais que tel pasteur, pasteur est sorcier dans une église? Là où tu es. Parce que quand je suis dans le monde spirituel, il y a d'autres que je vois là-bas. Ah, c'est sûr, on veut savoir quel acte. Ici, on aime les détails, hein, parce que quand tu dis acte, parce que c'est l'église déjà qui est touchée, donc on veut savoir. Voilà ça qui pose dans l'église. Parce que il y a d'autres pasteurs, pendant que les fidèles vont faire des offrandes, ils prennent les offrandes et puis ils sont dans le monde de la sorcellerie. Comment? Comment tu sais qu'on prend les offrandes pour aller dans le monde de la sorcellerie? Parce qu'ils font les petites réunions dans l'église où ils sont à parler de ça. Et moi, j'entends ça. Parce que si tu n'étais pas dans leur manière de faire des choses, jamais tu allais voir ça parce qu'ils allaient te combattre. Donc si tu essaies de voir, ça veut dire que tu es complice, tu es dedans, tu es dans la confrérie. Alors, c'est ce que j'aimerais que tu dises, puisque toi-même tu sais qu'il y a des sorciers. Mais s'il y a des sorciers, vous devenez camarades, vous faites forcément sorcier dans ça. Depuis quand sorcier n'est pas camarade avec sorcier dans la même chose. Non, ça veut dire qu'il y a une confrérie dans l'église auquel tu fais partie. Voilà. Tu fais partie de cette confrérie dans l'église. Tu caches quoi? Tu veux cacher quoi? C'est le temps de faire des aveux. Parce que si tu avais des pasteurs, ça veut dire que tu es dedans. Parce qu'un sorcier ne va pas permettre que tu le... Non. Si tu le sais, terminé. Tu ne veux pas partir de ta confrérie, ils vont te combattre. Ils se combattent entre eux. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, la personne même peut te tuer. Voilà. Donc, si elle te regarde faire ça, ça veut dire que toi, tu es complice. Donc, moi, je veux savoir quelle est ta part de complicité. Moi, je suis déjà convaincu que tu es dans la confrérie. Je suis déjà convaincu qu'il y a une confrérie de sorcellerie et dans cette église dont tu fais partie. Tu en fais partie. Voilà, tu es dedans. Donc, on veut savoir plus. Voilà. Je vais tomber l'église. Pour renverser l'église. On veut savoir plus. En savoir plus de la confrérie. Vous êtes combien dans cette église? Il y a combien de pasteurs? Il y a combien de personnes qui sont parmi? Et toi, tu joues quel rôle dans la confrérie? Là, il y a combien de personnes dans la confrérie? 32. Elle dit 32. Très bien. Il y a combien de pasteurs? Tu n'as pas entendu? Combien de pasteurs qui sont dans la confrérie? Il y a combien de pasteurs qui sont dans le groupe? 25 pasteurs. Elle dit 25. Combien? 25 pasteurs. Et il y a combien de pasteurs dans cette église? Hein? On est 30. Ils sont 30. Hein? Ils sont 30. Oui, 30 pasteurs. Donc, ça veut dire qu'il y a 25 pasteurs sorciers dans la communauté. Oui. Mais c'est dangereux déjà. Ils attrapent, ils viennent avec les Bibles, ils lisent la Bible, la parole de Dieu, ils sont sorciers. 25 pasteurs sorciers. C'est à toi que je demande. Attends, oui. Mais toi, tu fous quoi parmi les 25 pasteurs? Tu es dedans là, tu fous quoi? C'est quel rôle tu joues là-bas? Au niveau du groupe musical. Quoi ça? Au niveau du groupe musical. Non. Là, ça fait du groupe musical. On parle de sorcellerie maintenant. On parle de parler de. Tu joues quoi? Tu es dans la confrérie où il y a 32. Il y a 32 sorciers. D'accord? Oui. Et toi, il y a 25 pasteurs. Oui. N'est-ce pas? Oui. S'il y a 25 pasteurs sorciers, ça veut dire déjà qu'il y a, il y a 7. 7 ne sont pas pasteurs. Donc, tu fais partie des 7. Ils ne sont pas pasteurs. Voilà. Maintenant, les pasteurs et vous, toi, tu joues quel rôle? Puisque les pasteurs sont déjà là. Vous faites quoi dans cette église-là? Et toi, tu joues quel rôle? D'accord. Maintenant, les versets pasteurs, d'abord, on va parler. Ils font quoi comme activité spirituelle, sorcellerie dans cette église? Ils sont au niveau du prophète. Ah, donc, celui qui est établi sur l'église, c'est un prophète? Oui. Sérieux? Wow. Ah, il sait au moins que. Est-ce que lui, il sait que l'église est la sorcellerie? Non. Et les gens vont dans l'église? L'église est remplie. Et les pasteurs la prient pour? Il était dit. Les pasteurs leur imposent les mains.
en prenant toutes les chances des fidèles, pensant venir à l'église pour chercher Dieu. Or, les pasteurs ont la main sur leur tête sans peine de manger leurs chances. Mais moi, je pense que même c'est lui qui a coûté les séquelles, qui est le meilleur pasteur là-bas déjà de l'église. Mais on ne l'aime pas là-bas. Hein? Non, on ne peut pas aimer. Ça veut dire, attends, depuis quand bandit est un policier? Non, mais c'est, voici l'exemple. Depuis quand un braqueur est un PJ? Depuis quand?